Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora de Skybreaker et on va continuer la quête secondaire où il faut éliminer les trois lieutenants. On en a déjà éliminé un, maintenant on va faire le deuxième, c'est parti. On fait toujours la quête des lieutenants et ici vous avez un nouveau lieutenant et la station de commandement Bravo. On va l'attaquer mais avant il faudra détruire les deux avant-postes ici pour l'affaiblir, alors vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Moi, je vais commencer par affaiblir les avant-postes. Donc, je vais attaquer d'abord cet avant-poste ici. Je vais vous montrer un petit peu sur la carte où on est. Donc, le camp des jeux, il est ici. Vous remontez à la verticale et vous tombez sur la base qui est ici. C'est la station de commandement Bravo et ces deux petits camps qui la soutiennent. Et on va commencer par attaquer les deux petits camps. C'est parti, on démarre d'ici. On va appeler l'Icrane. Et on va attaquer le premier petit camp. Alors ici, il y a des trucs à récupérer. On va atterrir parce que je vois des pièces détachées. Ce serait dommage de ne pas les prendre. Il y a un aéronef qui s'est complètement scratché au sol. Alors si vous voulez voir où c'est ici, juste au bord. Voilà. Près du camp. C'est toujours ça de pris, hein. Et il y a aussi un objet, tiens. On va essayer de voir ce que c'est. Un fusil d'assaut sublime 21, ça c'est pas intéressant pour nous. Du moins pas pour le moment. On va voir au niveau des armes où on en est dans la sacoche. Il va falloir en liquider, mais ça va, on a encore assez. Il va falloir faire du nettoyage quand même. On va récupérer notre Icrane. Je sais plus où il est. Où est-ce qu'il est, notre Icrane? Alors, par là-bas. Ah bah il est là. C'est parti, on attaque la petite base. Alors on va voler avec l'Icrane au-dessus de l'eau pour qu'il mange. Voilà, c'est fait. 800 mètres la base. Où est-elle? Un seul truc qu'on voit là-bas, je suppose. Ok, c'est la base là-bas. On va l'attaquer par surprise. Hein. On va essayer. Oh, c'est par surprise, c'est déjà foutu. Non, bah ça a pas traîné. Il y a des bestioles qui nous attaquent. En même temps, on subit des attaques de la base. C'est génial. Je pense qu'il y a des hélicoptères. Ouais, c'est ça en fait. Il y a des hélicoptères qui volent autour de la base. Oh là là. Ça commence très fort. Bon, ça c'est bon. Ça m'en a pris cher. Hein. Il y en a encore un deuxième. Non. Ah si, j'en entends un encore. J'en entends un, mais je le vois pas. Faire des flèches. On va d'abord éliminer l'autre hélico. Il doit être tout au-dessus de nous. Bon, on va avancer. Très, je le vois pas, c'est pas grave. C'est pas mal gardé. C'est pas non plus. Pas mal, voilà l'hélico. Raté. Raté. Décidément. Là, je l'ai eu. Hop. Terminé. J'entre dans le centre. Voilà. Je devrais voir des hélicos ici. Il faut les détruire. Même si en cas, on voudrait un autre. Oh, et il y a aussi une antenne relais. Ok, détruire les antennes relais. Détruire les hélicos. Bon.
D'abord essayer de tuer les petits soldats. Non, je vais pas attaquer les tourelles. Ok. On est justement des petits soldats. C'est la vélo ? Oh oh. Il y a quelque chose qui se fout de votre gueule. Je vais trouver ce que c'est. Faut voir où il va se pointer. On est pas tout seul. Faut qu'on débusque. C'est bien, il s'est mis dos. Oups, le revoilà. En plein dans le point faible. On fait le tour. Pendant qu'il cherche d'un côté, on va de l'autre. Bah oui, c'était juste là parce que je suis plus là. Merde, y'en a un qui appelle du secours. Excusez-moi. Il appelle du secours de nouveau. Excusez-moi encore. Hélico. L'antenne. L'antenne c'est fait. Manque encore un hélico. Ah le voilà. Tenté. Et voilà qui est fait. Il devrait y avoir moins de soutien aérien pour le grand centre maintenant. Bon, on va maintenant voir s'il n'y a rien à récupérer. On va reprendre du soin. Au niveau des munitions, ça a l'air d'aller.
Là on est bon, là on est bon. Ok, parfait. Voyons voir au niveau d'autres choses à récupérer, s'il y a encore des trucs. Bon, je vois plus rien à part une caisse là-bas. Une caisse ici. C'est des munitions spéciales. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vois plus rien du tout. Et même pas l'air d'y avoir de trucs pour fabriquer des flèches. Bon, on va attaquer la base suivante. Donc ici, on va attaquer celle-ci maintenant. On va reprendre notre Icrane et on va voler jusque-là parce qu'apparemment, il n'y a pas moyen de se téléporter tout près. Donc c'est parti. Il y a encore des soldats là-bas, tiens. Zut. Bon, je vais pas m'en occuper. Je vais m'occuper de la base d'abord. Hop, hop, hop. Un petit piqué. Faut que je récupère aussi des graines de soins au passage, si je peux. On va essayer de trouver ça. Il craint de peu manger. Ah, c'est fait. On va voir si on peut pas trouver des trucs de soins près de l'eau, quelque part. Ça sent bon ici, le soin. Hop, stop. On atterrit. Voilà, je me suis fait tirer dessus par un truc. Pourquoi je me suis fait tirer dessus, moi? C'est une blague. En plus, je vois rien. Je vois même pas d'hélico. Allez, on repart. Non, c'est la base déjà. On est déjà tout près de la base en fait. Ah oui, c'est ça, c'est la base qui nous tire dessus en fait. Bah, c'est meilleur ça. Ah non, hein. Les bestioles. Bon, j'essaie d'avancer. Bon, je crois que je vais pas avoir d'autre choix que de les combattre. Oh, où est-ce qu'elles sont? J'ai raté. Bon, celle-là, elle est morte. Hein. Clémence. Merci pour ces cadeaux. Ça va, c'est bon, ils sont calmés. Je pourrais attaquer la base. Il y a un petit centre ici. Ça doit être un site logistique. Avec des machines pour attaquer les navires ou l'écosystème de Pandora. Ok. Bon, l'hélico, ça va être facile de le détruire. Détruire les AMP vides. Okay. Bien. De 1. Je pense pas qu'il ait été détruit. Hein. Je l'ai
est quasi one shot. Voilà, ça devrait l'achever. Le soldat. On va tirer sur ce truc là. Parfait, ça attire les autres. Je vois les AMP vides à détruire. Voilà. Ça faut le pirater. Et voilà. Charger, prendre les trucs ici. Les MP vides, comment est-ce qu'on les détruit? Ah, il faut faire pas mal de dégâts. On va essayer de viser les points faibles parce que sinon on n'a pas fini. On va viser les points faibles. Bon, ça suffit même pas. Il va falloir refaire des flèches. Encore un. Ils sont vachement solides. Au moins on récupère des munitions. Quel était le dernier objectif? Désactiver les capteurs. Ça, on va le péter aussi. On sait que jamais que ça compte pour les défis de la semaine. Et un capteur là encore. On désactive le capteur. Alors. Hop, hop, hop. C'est fait. Encore un. Des trucs là-haut et il y a des flèches à récupérer aussi. Je vais aller récupérer les composants pour les flèches. Voilà, j'en ai bien besoin et je vais aller voir là-haut. J'ai vu des trucs là-haut normalement. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des caisses, il me semble. Bon, je vais grimper. J'ai cru voir des trucs. Ouais, là. Ici à l'intérieur. Ah oh, ben ça sonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Une caisse de matos. Un arc sublime 200. Deux caisses de matos. Ouh, un propulseur de lance guerrier légendaire. Alors ça, ça m'arrange vachement. Ça m'arrange vachement. Parce que j'étais vraiment super mal équipé à ce niveau-là.
Ouh, ça c'est génial. 365, terrible. Alors, lance-perce-blindage, dégâts sur une monture 17, c'est pas intéressant. Bah, l'autre n'était pas forcément beaucoup plus intéressant non plus d'ailleurs. Bon, c'est déjà ça. Ça fera déjà bien plus de dégâts. Ça me va. Ok, j'ai bien fait de repérer les deux caisses de loin. Ça valait la peine. Maintenant, j'ai encore le bidule à désactiver, là, le dernier. Ah, le v'là, je le vois. Alors, on va sauter et faire B pour amortir le choc. Est-ce que c'est ce truc-là ou si on l'a déjà activé celui-là? Voyons voir ça. Ah, bah, où est-ce qu'il est? Bah, il est en bas ou quoi? Une plante qui pousse à travers. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Ah, ça, c'est marrant, tiens. Un truc de cosse en plein ici. Excusez-moi, hein, parce que c'est toujours pas la forme. Alors. On va faire tout le chemin. Et voilà qui est fait. Des capteurs et des AMP. Ça va vraiment affecter la prospection. Impossible de forer, ce qu'on ne voit pas. Et le grand centre de commandement se retrouvera vite à court d'AMP. Et bien voilà. Le centre de commandement est affaibli. On a récupéré un peu ce qu'on pouvait récupérer. Il y a encore des trucs là, tiens. Là, plus loin. Il y a des caisses ici. Hop, des pièces probablement. Et ben voilà. Pour le reste, on a quasi tout fait. Je vais regarder pour les flèches. 21, ce serait bien de récupérer un peu de roseau s'il y en a quelque part. Niveau des trucs de Daphomet, c'est bon. Il faudrait écosse aussi. Bon, il faudrait retourner vers l'eau pour bien faire. On va retourner vers un endroit où il y a de l'eau, c'est-à-dire par ici. Ça va nous permettre de récupérer des cosses et compagnie. Je vais appeler mon Icrane. Et on va aller terminer la base maintenant. Allez, monte dessus. Oh là là, je me fais... Ah oui, évidemment, j'ai oublié de détruire les défenses. Ça, c'est pas malin. Bon, c'est pas très grave. On fonce vers l'eau, de toute façon, on va aller de l'autre côté. J'aurais dû détruire les défenses, hein, j'y ai pas pensé. On va faire, on va nourrir notre Icrane pour qu'il reprenne du poil de la bête. Voilà, il mange. Son énergie est au max. Maintenant, je vais récupérer des trucs, des cosses. Je crois qu'il y en a quelque part ici. J'en avais vu. Ici. Hop, on récupère les cosses. Voilà, comme ça, on est paré. Ce serait bien de récupérer les roseaux, mais il y en a là. Parfait, il y a tout ce qu'il faut, hein, décidément. C'est cool. Des roseaux ici. Impec. Ah bah, on pouvait pas demander mieux. C'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attaquer la grosse base. Qui est là-bas. Avec le lieutenant. Alors, on va se téléporter ici, peut-être. Ce sera plus court. Ou bien on peut se téléporter là, maintenant qu'elle est à nous. Ah bah oui. Maintenant qu'elle est à nous, on va se téléporter d'ici. Là, il y a un labo qu'on n'a pas fait, je crois. On va se téléporter de là. Et on va attaquer la grosse base. C'est parti. Ah, il y a encore une caisse là-bas. Même deux caisses. On va d'abord faire ça. Non, moi ça c'est des munitions spéciales. Non, c'est plein. Et l'autre caisse, je la vois déjà même plus de toute façon. Ok. Bon, allez, c'est parti. On appelle notre monture et on va aller attaquer la grosse base. Et go! 1 km. Et on pourra affronter le nouveau. Oups là, il y a des ennemis là. On pourra affronter le nouveau boss.
mini-boss. Bon, on va atterrir ici, je crois, pour pas prendre de risque. On n'est plus très loin. On va enlever notre... Voilà. Et on va donc prendre d'assaut le lieutenant Slate. Allez, on y est. J'y suis. Le gros lot, c'est l'antenne. Je peux t'aider, mais il faut que tu me fasses entrer. Tu sais, à distance, il devrait y avoir quelques terminaux que tu pourrais utiliser. Bon, on va pas faire dans le détail. Hein. Voilà, je l'ai loupé. Dommage. Arrête-toi. C'est bon. Encore un là. Puis il y en a partout ici. Ah, il a bougé déjà. Non, tant que lui ne me voit pas, c'est bon. Je suis sûr que personne remarquerait. Tu veux pas m'aider? Zut, hein. J'attends qu'il repasse. Ouais, y a un soldat qui se balade là-haut. Je vais le faire dans son dos quand il repasse. Maintenant. Et raté encore, c'est pas vrai. J'ai pas longtemps pour tirer en fait. Oh, il se retourne déjà. Bon. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors il y a un soldat qui se balade là-haut. Par ici, je pense. Je sais qu'il y a un soldat qui se balade, hein, donc je vais gentiment attendre qu'il se repointe. Je le vois là. On peut pas se rebeller un peu là, qu'on s'amuse. Voilà. Et voilà. De moins. Non, ça, le bon angle est pas bon, il bouge tout le temps. J'ai presque de la peine pour les mêmes. Ils croient qu'ils vont arrêter la RDA avec leurs arcs et leurs flèches. Zut alors, il revient par ici.
l'ai raté. Décidément. Bon, alors, il a fallu des flèches, hein. Heureusement qu'il y avait le station électrique tout près pour l'électrocuter. Sinon, j'étais cuit. Bon, ils sont où, les terminaux? Bon. Ouvrez l'œil, on a de la compagnie. Elle est énorme, cette base. Zut, zut, zut. Non, ils appellent du renfort. Voilà, c'est cuit. Faire le tour par l'autre côté. Les renforts arrivent déjà, pas de bol. J'aurai moins de récompenses aussi. Moi j'arrive à abattre l'hélico. Au point où j'en suis, je peux commencer à détruire les tourelles. Pirate, c'est peut-être encore mieux ça. Je tentais de la pirater. Alors, allez, quoi. Allez. Voilà. Stocker le piratage, exécuter le piratage. Elle est à nous. Bon, de toute façon, toute la base est en alerte, hein, donc c'est foutu. Rapproche du centre de commandement. Ok. Fais attention. Le réseau est pas mal crypté. Il y a des communications et des renseignements protégés par le lieutenant Slate. Celle-là ne m'embêtera plus.
Non, c'est pas par là qu'on rentre. Dans le détail, de toute façon l'alerte est donnée donc ça change plus rien. Ok, c'est bon. Excusez-moi, ils sont tous de dos, c'est pas possible quoi. J'arrive. Oh, il se dit celui-là. C'est par là qu'on rentre. Personne ne touchera ça. Je vais buter ce truc là. Et voilà. Et celui-là. Alors il me reste encore un terminal. Allez quoi. Aïe aïe aïe. Ouf, je me suis fait méchamment toucher. Ils sont vachement solides. Bon. Oh, il m'a méchamment touché, hein. Ok, on va sortir. Oh tiens.
pratique ça. Où est-ce qu'il est passé? Ouf là. Et voilà. Un moins. J'ai tué tout le monde, je crois. Ah, le terminal est ici. Tu peux entrer ? Merci. Les pare-feux sont beaucoup plus simples à déjouer depuis ce côté-ci. Une seconde. Voilà. Plus de protection. Tu n'as qu'à la suralimenter, confirmer au terminal, elle se saturera d'elle-même. Facile. Trouver les moyens d'alimenter l'antenne. Ok, mais d'abord je vais me soigner. Et pas ici, il faut que je trouve des soins à l'extérieur parce que sinon... Sinon, je vais pas pouvoir me soigner pendant le combat. Bon, niveau énergie, je sais pas où j'en suis. Il faut que je trouve des soins tout près de la base. Non, c'est pas fini, il y a encore des ennemis. Je crois que j'avais tué tout le monde, mais c'est pas le cas. Non, mais... Ah oui, il y en a encore plusieurs, en fait. On va essayer de tirer dans le point faible, si c'est possible. En plein milieu de la verrière, c'est pas mal non plus. Voilà. Bon, c'est le moment d'aller chercher des soins. Il doit y en avoir quelque part près de l'eau. Hein. Où est-ce qu'on est? Ouais, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des soins dans le coin. Non, je crois pas. Ah, malgré que... Hop, faut pas tomber dans le trou. Il y en a là-bas. Peut-être. Non, c'est des roseaux. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a vraiment pas de soins dans le coin. Ben, je vais revenir hein, s'il faut. Je vais aller en chercher plus loin et revenir, c'est pas un problème. Je regarde quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, il n'y a pas l'air d'y en avoir. J'ai appelé mon Icrane, je vais y retourner après. J'ai appelé mon Icrane ici. Je vais aller chercher des soins et je vais réattaquer la base. Parce que je vais pas faire le boss avec une graine de soins, ça ira jamais. Hop, c'est parti. Et je m'envole vite fait. Le but maintenant, c'est de trouver des soins. Qu'est-ce qu'il n'y en aurait pas ici? Ouais, il y en a ici. Un pec. On atterrit. Et on fait le plein. Donc, si jamais vous avez besoin, vous faites le plein ici, puis vous retournez attaquer la base. Hein. Après la base, elle est ici. Bon, vous retournez là, sur le bord, et vous réattaquez. Faites attention si vous n'avez pas détruit les tourelles, ben voilà, comme je disais. Faites attention si vous n'avez pas détruit les tourelles, ça va faire mal. On descend et on y retourne.
et on réattaque la base. Tant que vous quittez pas, normalement, la base reste dans l'état où elle est. Hein. Avec les unités détruites, l'alarme qui sonne et tout. Si vous quittez le jeu et que vous revenez, à ce moment-là, je pense que tout est reseté et faut tout recommencer. Mais ici, je voulais pas faire le boss simplement avec le peu de trucs que j'ai. C'est pas possible, quoi. Ça serait pas passé, je crois. Voilà. Allez, on continue. Il devrait y avoir quelques terminaux que tu pourrais utiliser. Il y a un terminal là-bas. Alors, on va quand même vérifier les munitions. On va mettre de l'électrique. Hein. Je me demande qui jouera mon rôle quand on fera un film. Histoire de faire le boss direct à l'électrique. Je vais prendre qu'une munition électrique à la fois. Ok. Bizarre comme truc. Ça s'est chargé aussi. On confie pas ses joujoux à n'importe qui. Ok. Je pensais qu'on pouvait prendre plusieurs cartouches électriques, mais bon. Apparemment non. Donc, où est-ce qu'il faut aller pour faire les surcharges? Là-bas. Ah oui, l'antenne est là-bas. On pourrait penser que c'est un peu facile. Ah, mais il y a des soins ici. Mais à mon avis, les boss, ils vont sortir d'ici. Hein. Donc, je me demande si je vais pas, après, mettre des bombes là, à l'entrée, histoire de faire du dégât tout de suite sur les boss. Je pense que ça pourrait se jouer, ça pourrait être intéressant. Hop. Est-ce que je peux sauter de là? Mais non, comment est-ce qu'on monte là-haut? Là, par là. On ouvre là en haut. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut détruire? C'est ici ou quoi? Oui, je cherche toujours. L'antenne est là, mais je vois pas. Je vois pas ce qu'il faut faire. Ouais, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, attendez. Hop. Ah oui, il y a un circuit. Il y a un circuit alimenté. D'accord. Par ici, par là, puis en bas, oh là là, ça a l'air long. Puis par là-bas, par ici, ça commence là, ça commence ici. Ok. Et après, faut remonter en haut. Après, il y en a un là. Voilà, il ne monte plus ici maintenant. Ok, là il monte en haut. Il y en a un là. Où est-ce qu'il va? Je l'ai perdu. Par là. Ah, il y a un truc, un coffre ici. Ok. Il faut grimper en haut. Voilà, comment est-ce qu'on grimpe? Par là peut-être. Ouais, hop, ici. Il faut encore grimper. C'est comme si c'était fait. Alors faut grimper en haut. Bon, il est où le truc maintenant? On confie pas ses joujoux à n'importe qui. Bon, j'ai bien l'air malin maintenant. Ça n'a pas l'air d'être ici. Bon, on va descendre. Hein. On a une grosse journée qui nous attend. Ah oui, il faut. C'est les antennes qu'il faut faire. Trouver un moyen d'alimenter l'antenne. À mon avis, ça doit repartir d'ailleurs, ça. On va voir.
réfléchis dans le mauvais sens. Je dois partir plutôt de là. Bon, je vais regrimper. Voilà, pour partir d'ici. Bah non. On va prendre celui-là. On prend l'orange. Ah oui, voilà, là. Ok. Pourquoi on peut pas aller plus loin maintenant? Un autre ici. Ah, il faut le péter celui-là. Ok. Ah, j'ai pété celui-là. Bon, je regrimpe. Et maintenant, il est alimenté. Maintenant, je dois sauter. Qu'est-ce que ça donne? On l'alimente là. Ok. Et maintenant, c'est le troisième ici. Celui qui est tout rouge, je suppose. Je ne sais pas comment l'activer celui-là. Bon, elle est par là. Par ici, par là. Il va à l'autre antenne. Hein. Il va là. Je me demande qui jouera mon rôle quand on fera un film de tout ça. Ah, j'ai raté mon coup. Voilà, je suis bon. Il faut encore monter. Ah, faut péter ce truc-là. Ok. J'avais pas vu. C'est le but. Bon. C'est comme si c'était fait. Alors, si on réfléchit un petit peu, on va activer le terminal, ça va amener le boss. Et si c'est comme pour l'autre base, le boss, il va sortir de là où il y a les quatre portes. Donc ça, c'est le terminal, ça va activer le boss. Et le boss, il devrait sortir, à mon avis, d'ici. Parce que vous voyez, là, à l'intérieur, vous avez tous les trucs. Donc l'idéal, ce serait de mettre tous les pièges ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des pièges. Donc on va prendre l'équipement, on va équiper ceci. On va l'équiper là. Maintenant on va le prendre et on va mettre des grenades explosives. Et on va placer une ici. On va placer une là. On va placer une ici. On va en placer une là. Maintenant, on va peut-être en créer 4-5. Voilà, on va en créer. On va pas les placer parce que je crois qu'il y a un maximum qu'on peut placer et ça n'en fait pas partie. Donc maintenant, on va remettre l'arme qu'on voulait. Donc on va de nouveau refaire l'inventaire. Et on va remettre cette arme-ci. Ici, celle-là. On va l'équiper là. Et on tentera... De nouveau la même manœuvre, canon électrique, et puis on zappe sur l'autre directement pour tuer. Allez, c'est parti. On va activer le truc là où il faut. Je sais déjà plus où c'était. Là-bas. Là-bas, c'est ici. Donc on va être tout près du boss, à mon avis, tout de suite. On active. Et à mon avis, les boss vont arriver. Par les deux portes. Tu vas le payer de ta vie. J'espère que mes mines sont toujours là. Ok. On va le laisser aller sur la mine. Hop. Bim. On change d'arme. Allez hop, on se soigne, on se planque. Oh, c'est quoi ça encore? Il y a des hélicos ou quoi?
on va partir sur ça. Oh là là, c'est quoi ce truc? Lui, il tire des grenades. Oh, yo, yo, ça va être l'enfer, ça. Oh là là, on l'a pris cher. Bon, ça sert à rien, ça marche pas. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de pas mourir sur ce coup-là. Eh ben là, c'est ça, on est mort. Faut la recommencer. Faites attention, c'est super difficile. Moi, j'ai abandonné l'idée de mettre des grenades ici, devant les sorties. Ça sert pas à grand-chose. Il faut mieux vous planquer parce qu'il y a des grenadiers qui vont arriver, qui vont vous lancer énormément de grenades. Il faut d'abord essayer d'éliminer ceux-là, c'est ceux-là les plus dangereux. Et lui, il est hyper blindé, ça sert quasiment à rien de lui tirer dessus. Il faut d'abord éliminer tous ses acolytes et alors après ça ira mieux. C'est super difficile, on va lancer le combat. Tu vas le payer de ta vie. Allez, on passe au planquer le plus vite possible. Ils vont arriver de partout. Hein. Il y a un hélico qui va arriver. Si on peut détruire l'hélico, c'est pas mal aussi. Il y en a un qui nous suit déjà. On va essayer de buter l'hélico là. Ça, ça peut déjà pas mal aider. Hein. Buter l'hélico qui arrive. Ça évite pas mal de renfort. Vous voyez son point faible, c'est le point qu'on a vu là. Là, le truc au-dessus. C'est ça le point faible, ça. Encore faut-il réussir à tirer dedans. Hein. Je vais prendre de la nourriture, je vais prendre des dégâts. Oh, c'est trop tard. J'ai même pas le temps. Faut essayer de tuer les grenadiers d'abord, hein, si vous pouvez. On va prendre le truc ici pour s'envoler. Et on va aller là sur le toit si on sait. C'est un peu raté, mais on va tenter d'aller sur le toit. Ça peut aider pas mal d'aller sur le toit. Parce que là, au moins, il vous voit plus. Et d'en haut, vous pouvez facilement lui tirer dessus. Et toucher son point faible avec une flèche. Je vais vous montrer après. Donc là, on est plus ou moins à l'abri. Vous allez voir son point faible. Là, il vous voit plus. Son point faible, il est là. Et ils nous ont perdu. Et il n'y a que ça comme moyen pour échapper. Hein. Essayez de tuer les grenadiers aussi, hein. Ils sont très embêtants, mais bon, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment le laisser tourner autour et lui tirer d'au-dessus, dans son point faible, par le dessus là, sur son point faible là. Son point faible, c'est ce truc là. Le problème, c'est qu'il faut réussir à le toucher. Et que les grenades vont très vite arriver. Hein. On recharge ici. Je crois que je vais mettre un bonus de dégâts parce que ça va jamais le faire sans. On va faire du dégât en plus. 50% de dégâts en plus, on va prendre ça parce que sinon on va pas y arriver. Si on peut tuer un grenadier, c'est bien. J'ai essayé de tuer un des grenadiers. Tu veux jouer à cache-cache ? Très bien. Regardez, hein, son point faible, c'est ça. Vous avez vu ? Ça, c'est son point faible.
Bon, maintenant vous avez pu voir exactement ce que c'est son point faible. C'est le gros point qu'il a sur lui. Ça lui fait quasi la moitié de sa vie en moins. Le problème, c'est que c'est pas fini. Il faut absolument échapper aux grenadiers. Parce que c'est eux qui vont vous faire la peau avec leurs sales grenades. Je l'ai fait tourner un peu autour de moi. Je l'ai raté. Raté encore. Attention. Alors il faut absolument d'abord détruire l'hélicoptère aussi, hein, comme j'ai fait. Sinon, c'est la grosse misère. Là, je récupère toute mon énergie. Je vais encore tenter une attaque par au-dessus. Je vais péter le truc. Ça va leur faire du dégât. On sait un petit peu les attirer. Le but vraiment, c'est de... Faut vraiment jouer au chat et à la souris. J'ai pas trouvé d'autre solution. C'est vraiment super difficile. C'est plus difficile que le combat final. Je te retrouverai. Il est de dos. C'est le moment. Regardez son point faible ici. Voilà. Et vous faites de nouveau pareil. Alors je sais, c'est pas très marrant, mais... Désolé, j'ai rien trouvé d'autre de vraiment efficace. Pour les éliminer assez facilement. Et un de moins. Attention. Là, ça tire, ça rigole plus. Faut se planquer. Et garder bien son énergie. Être prêt à se soigner avec une cosse. Et il va falloir les faire comme ça, un à un. J'ai pas trouvé d'autre solution. Alors, je joue pas en facile, hein, n'oubliez pas. Et c'est surtout ça le problème. Parce qu'en facile, je pense que c'est facile. Mais là, on n'est pas en facile. Lui, je pense que c'est celui qu'il faut tuer. C'était pas lui. Je sais plus lequel c'est. Je tente très bien les flèches incendiaires, mais je sais pas si ça va avoir grand effet sur eux. Vu qu'ils sont dans des boîtes en métal. C'est... Oh, pas là. Si vous allez là-dessus, ça va vous faire vous envoler. C'est vraiment pas la bonne idée. Hop, hop. Ça, c'est en plein dedans. Attention de ne pas vous faire tuer. On recharge. Et on attend que l'énergie se recharge de nouveau. Et on continue, hein, comme ça, à faire du harcèlement. Quand il ne restera plus qu'un, ça ira plus facilement. Il y en a un là qui est presque pété. On va lui mettre une grosse... un gros tir dedans. Voilà, cockpit détruit. J'essaierai bien un petit coup le... le perce-blindage, mais je suis pas persuadé que je vais obtenir un bon résultat. Ça, c'est une flèche perce-blindage. On va la tenter. Bon. Oh là là, attention. C'est trop longtemps, trop long à déclencher, hein, la flèche perce-blindage. Bon, on peut toujours essayer ça aussi. On sait jamais. Là. Ouais, c'est pas mal parce que il réagit pas trop. Ouais, ça marche pas trop mal ça. Ça marche pas trop mal. Et les munitions comme ça, ça fait quelque chose. Oh là 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 là. Ah, évidemment, il s'est rééloigné du bord. On court partout. Bof bof, hein. Pas persuadé que le résultat est fort probant. Attention.
je le vois. Ouais, pas si mal quoi. Continuez. Voilà, il tire à travers. On se met de côté. Bon, on va pas être tout épuisé non plus de nos munitions. On va prendre les normales. Voilà, point faible touché. Vous avez vu? Oh là là, c'est fini. Les amis, c'est super difficile, mais c'est vraiment super difficile. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance en facile. Hein. Ah, en moyen. Je suis en moyen. Si ça va pas, mettez-vous en facile. Parce que c'est vraiment pas facile, je trouve. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de me mettre en hauteur. Doit venir de ces petits camps. Alors, chevalier de guérilla, pièces détachées, arc long électrique de champion légendaire. Voilà qui est intéressant, pièces détachées, arc long chasseur sublime et bracelet de guérilla légendaire. Alors on va un petit peu voir ce qu'on peut équiper de tout ça. Alors là, on a du nouveau. Eau de guérilla sublime 264, non. Il y a un nouveau truc ici. Là, on est à du 330. 330 aussi. 264, 330. Et on a quoi? Dégâts au point faible 16. Dégâts faune et fleurs 16. Bon, l'énergie tout seul, ça sert pas à grand chose. Ici. On a chevalier guérilla sublime, ça ne sert à rien. Ok. Il y avait des petits arcs électriques aussi, on a vu. Ici, qu'est-ce qu'on a? 163, ça ne sert à rien. 201, on a du... Oh, ça c'est pas mal ça. Arc long électrique du champion. Ah oui. Ça c'est beaucoup mieux ça. Ça, ça peut peut-être bien nous aider, tiens. Dégâts RDA 15, dégâts faune et flore 15, ça tire des flèches électriques. Ça peut être pas mal contre les robots. Pas mal du tout, du tout, du tout. Bien. Alors, ici, on a un nouveau truc aussi. Sublime, qui ne sert à rien. Il est dépassé. Au niveau de l'arc court, je pense qu'on en a un nouveau aussi. Donc, on a un 260 ici. Un 200, dommage. Et on a 260 flèches enflammées. Voilà, impeccable. Et ce sera tout, je pense. Voilà, on a fait tout le tour. Ça coche. Va falloir se débarrasser d'armes, on en a beaucoup trop. On va écouter la petite bande ici qui reste, et puis on mettra fin au let's play. Colonel Harding, j'ai étudié certains rapports concernant les ennemis de la frontière occidentale. Il me semble intéressant de souligner que, bien que les armes humaines aient proliféré parmi les navis du territoire central, essentiellement grâce à Jack Sully, il n'y a eu que peu de mentions de telles armes ici. Malgré notre présence active sur le terrain. Nous avons retrouvé un avatar rebelle appartenant au docteur Alma Cortez. Mais d'après les archives des batailles antérieures à la mort du directeur John Mercer... Zut, ça a coupé le son. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais aussi fabriquer... Je vais équiper l'arc ici, l'arc lourd électrique. Je vais équiper des trucs dessus. Mais non, je l'avais déjà celui-là. Je me suis trompé. C'est pas grave. Alors. Je me suis complètement planté. Ça, c'est l'arc lourd. Je voulais le mettre là. Ici, je voulais mettre l'arc électrique ici. Et je voulais regarder pour créer des flèches électriques. Ah non, c'est des flèches empoisonnées, c'est pas électrique ça. Tiens, j'ai quand même un truc électrique. Tiens, tiens.
J'avais pas un truc électrique, moi? Ah si, c'est celui-ci. L'arc long. Ok, l'arc long. Je vais l'équiper. Ici. Et maintenant, je vais fabriquer des flèches électriques. Puisque ça tire des flèches électriques. Il me semble. Flèche enflammée, celui-ci, celui-là. Flèche électrique, et ben voilà. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, on va remettre les setups comme il était. Pop. On va prendre tout ce qui est... On va prendre les points de compétence aussi. 5 points de compétence. Chasseur, fabricant. Alors... Débloquer la compétence, vous pouvez pouvoir trouver des pièces enfouies dans les AMP. Hein. Double la quantité d'ingrédients de cuisine obtenus lors de la cueillette. Les flèches de chasse ne se cassent plus à l'impact, vous pouvez les ramasser pour les récupérer. Ok. La durée de vos bonus de nourriture augmente de 25%. Je vais prendre ça. Il reste encore 3 points. Ah, je prends ça, tiens. Ah non, je peux pas, parce que j'ai pas encore ça. Allez, la cueillette double. Cueillette abondante, et après je prendrai ça la prochaine fois. Il me faudra juste encore 3 points. Je me souviens plus ce que je voulais faire avec tout ça. Mon équipement, est-ce qu'il est correct? Est-ce que j'ai bien équipé ce que je voulais? Non, il faut que j'enlève l'arc électrique. Et que je mette le fusil à la place. Voilà, ici. Et maintenant, il faut que je récupère des ressources. Hop. On va tout recharger. Allez, c'est parti pour recharger tout. On va faire le plein de munitions et compagnie. Il y en avait plein dans le coin. J'ai des trucs là, voilà. Une petite armoire à munitions ici. Hop là. Hop. Hop. Alors, est-ce que tout est rechargé ou pas? Donc, ici, on est à 110. Ah ben non. 110, 385. Là, ça en a fait. Ici, on est à... Comment est-ce que c'est bien? Faut juste retrouver des trucs de fusil d'assaut. Et aussi prendre les trucs ici, les tiges. Et puis on coupera. Il y en a encore là-bas. Et hop. Et hop. On est au max. Et bien voilà, on va s'arrêter ici et dans le prochain Let's Play, on attaquera la dernière base, celle du lieutenant Price qui devrait être quelque part dans le coin. C'est celle-ci. On attaquera cette base-là, ce sera pour le prochain Let's Play. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar.